Daniel Morin, c'est oh la vache, je vous ai réveillé, bande de chiens. Vous avez vu ça? Hier, en direct du tribunal pénal international de La Haye, un gars s'est suicidé. Slobodan Prajak, ancien officier de l'armée croate, jugé en appel pour crime de guerre, condamné à 20 ans de tôle. Juste après l'annonce de la sentence, il se lève et dit « Prajak est innocent, je méprise votre verdict ». Il sort une fiole, il boit le contenu, hop, il meurt. En même temps, Slobodan, c'est pas un prénom, c'est une promesse de brutalité. Un petit Slobodan, ça caresse pas les animaux, ça arrache les poils. Une fois ado, ça s'arrange pas. Quand un ado Slobodan t'embrasse, il te roule pas une pelle, il te bouffe la langue et les gencives. Après une nuit d'amour avec un Slobodan, t'es pas fatigué, t'es hospitalisé. Plus tard dans la rue, si tu bouscules un Slobodan, il te suit, il met le feu à ta baraque, il mange des gosses, il met ta femme dans le congélo, il urine sur ta pelouse. Quand même un geste de malade que de se suicider en direct en plein tribunal. T'imagines pas ça arriver en France, hein? Monsieur Ducon, pour avoir conduit avec 6 grammes d'alcool dans le sang, avoir provoqué un carambolage impliquant plus de 36 véhicules, vous êtes condamné à 2 semaines de prison avec sursis et le retrait de votre permis de conduire. Non, Ducon n'est pas un criminel, je rejette votre verdict. Oh, l'angoisse des magistrats! Les gars oseront plus prononcer de condamnation, les peines vont être vues à la baisse. Monsieur Ducon, vous êtes condamné à 2 semaines de prison, l'annulation de votre permis. Non, Ducon. Non, doucement, posez cette arme. Bon, on annule la prison, on vous retire juste le permis. Non, Ducon. Wow, ok, monsieur Ducon. La cour vous accorde 2000 euros pour préjudice moral. Ah, Ducon est content. Ah ben, ça va devenir le chantage. Le chantage va être hyper à la mode sous peine de suicide. Ah là là. Bon, avant de se quitter, les amis, cette fin de semaine devrait être marquée par l'arrivée probable de la neige en Île-de-France. Mais pas de panique, Marie-Pierre Planchon veille. Ce matin, je l'ai vue dans son bureau, elle faisait des incantations. Elle portait une cagoule rouge, une guêpière jaune poussin. Elle était à genoux devant une pile de journaux et de caisses de bière auxquelles elle avait mis le feu. À côté de Marie-Pierre se tenait une jeune fille nue et attachée. Ça tremblait, ça foutait les jetons. Éloignez-vous, force de l'hiver, pas de neige sur Paris. Ouh, passez votre chemin, Villa Flocon, retourne en Savoie, démon du frimat. Oh, je t'offre un sacrifice, cette stagiaire. Brûle dans les feux des enfers enneigés, petite souillonne. Ta gueule, stagiaire, accepte de crever pour le retour de la chaleur en Île-de-France. Écoutez-moi, force du mal, Belzébuth, Satan, Manoukian, prenez la verge. Et partez, oui, partez. Ouh. Normalement, les forces du mal ont dû flipper sévère. Lui aussi, dans son style, il est parfois flippant. Vous l'avez reconnu, c'est Nicolas de Morant qui, à 8h20, recevra Christiane Lambert pour parler aftershave et pommes dauphines.